Comme on le dit souvent, un bienfait n'est jamais perdu. Et cette histoire du milliardaire Aliko Dangote est bien la preuve puisque c'est de là qu'est déclenché le succès du plus riche homme d'Afrique. Le caractère humble et clément d'Aliko Dangote lui aurait valu une prophétie spéciale de la part de Benson Idarosa. L'archevêque de l'Église de Dieu Mission Internationale est généralement connu comme le père du pentecôtisme du Nigeria. Dès lors, la vie d'Aliko Dangote a pris un élan extraordinaire. Mais que s'est-il vraiment passé pour qu'il bénéficie d'une telle faveur? Voici l'histoire complète. Tout d'abord, Aliko Dangote est né dans une riche demeure à Canon. Il a obtenu son premier diplôme au Caire en Égypte. Il avait toujours aimé le commerce et selon certaines sources, il vendait des friandises même à l'école primaire quand bien même sa famille était riche. Dangote est vraiment une personne très humble, même pas à les aveux de personnes qui ont interagi avec lui. Il n'est tout de même pas le seul Nigérian travailleur. Il n'est pas non plus la personne la plus humble autour. Il n'est pas probablement le plus féru d'affaires en Afrique. Quoi qu'il en soit, il est certainement le plus riche homme d'affaires. Ses entreprises emploient ses milliers de personnes dans le monde sans compter les distributeurs, entrepreneurs et autres fournisseurs qui dépendent de son activité pour prospérer. Dangote est une bénédiction pour l'humanité. Au Nigeria, aucune famille n'a de produits Dangote à la maison. Si ce n'est pas du sucre, c'est du sel. Ou la maison dans laquelle vous vivez a été construite avec du ciment Dangote. Dans le classement mondial des fortunes les plus puissantes, Dangote a été reconnu comme étant la 23e personne en tête. La question est de savoir comment un Aliko Dangote a atteint une telle hauteur. La réponse ne sera pas trouvée dans le magazine Forbes ou sur Wikipédia. Il se retrouve dans les Saintes Écritures si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Isaïe 1 verset 19. Au début des années 90, Dangote avait fait la rencontre de l'archevêque Benson Idarosa. En effet, l'archevêque avait des invités qui devraient retourner de toute urgence du Bénin à Lagos pour prendre leur vol à destination des États-Unis. Malheureusement, au moment où l'archevêque a amené ses invités à l'aéroport, on leur a dit que le dernier vol de la journée était surbooké et qu'aucun siège n'était disponible. En fait, les passagers avaient déjà embarqué et étaient sur le point de décoller. Idarosa a demandé que l'avion soit retardé de quelques minutes et s'est dirigé vers le tamac, où il a été autorisé à s'adresser aux passagers. Il les a suppliés de la situation désespérée de ses invités et a demandé que deux personnes fassent tant de leur siège, or que ses invités se rendent à l'ego. Aucune des personnes dans l'avion ne s'est levée. Certains prétendaient être endormis, d'autres prétendaient prier et l'homme de Dieu attendait avec espoir. De l'arrière de l'avion, un jeune homme a demandé à la personne assise à côté de lui de se lever. Et ensemble ils ont quitté leur siège pour les visiteurs américains. Idarosa l'arrêta dans le couloir de l'avion et demanda, « Jeune homme, quel est ton nom et que fais-tu ?»« Je m'appelle Dangote, Aliko Dangote, et voici mon assistant. Je suis un commerçant, un homme d'affaires. » C'est à ce moment que Papa Idarosa a prophétisé sur sa vie en les termes qui suivent, « Le monde se lèvera pour vous. » Il a prié pour que Dieu prenne ses affaires au-delà de l'Afrique et le bénisse au-delà de toute mesure. Et voilà, la prophétie s'est réalisée. Aujourd'hui, Dangote n'est plus à présenter. Qu'il soit et peu importe le lieu où il se rend, le monde le connaît et l'admire pour ses accomplissements. Il est devenu le plus riche homme d'Afrique et le 23e homme le plus riche de la Terre. Comme leçon, nous retenons qu'il ne faut jamais minimiser le pouvoir de faire du bien à autrui, car ça paye toujours. Nous voici à la fin de la vidéo. L'avez-vous aimé? Si oui, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce d'appréciation. Sans oublier de vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines publications.